Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec vous. Nous prenons pour vous justement update sous cause impeachment Donald Trump. Ça nous est les destitutions de Donald Trump. Un dossier qui a continué. Je dis à finalement vote sous article impeachment. Vous faites. Pas oublier que hier, tu as eu une pile discussion. Démocrate, tu es préparé pour te finir avec ça, pour te voter vote sous article impeachment. Là, en pile bataille, ça n'a pas arrivé fait, notamment à cause des républicains qui étaient dans la table chauffée. Donc, finalement, jeudi, vendredi, yo voté deux articles d'impeachment qui gagnent dans le cadre de procès. Vous comprenez ça? Ça veut dire que, pas de temps encore, pas de discussion qu'on est là, pas de débat, pas de témoin. Ligne droite, tête droite, c'est vote qui va le faire. Ça veut dire, semaine prochaine, en pile, moun projeté là, mercredi, vote pour le faire. Parce que, en pile, longtemps, débat fait sur cause des décisions ça après un pile débat et bien tant débat fini qu'on y a ces actions qu'on le fait un moment décisif quel que soit genre well dans histoire administration présidence de Donald Trump parce que couvrir le coupable quel que soit genre bagarre ça fini l'a marqué l'a tourné une tache on dit bien une tache indélébile sur la présidence de Donald Trump parce que vraisemblablement il pourrait venir et bien dans l'histoire pays, il y a le troisième président qui impeach. Nous songeons que dans le cas Nixon, là, il a défini impeach li, au niveau de la Chambre des députés. Alors, même qu'il est là dans le Sénat, monsieur était tout démissionné. Maintenant, qui vient le passer? Vote pour antique impeachment, il passe along party line. Ça veut dire qu'il y a 23 démocrates qui votent. Pas bien, ça fait là, c'est vote au niveau de comité. Ya. 23 démocrates qui votent pour approuver. Article impeachment là et au gagné 17 républicains qui votaient contre et gagné un dernier démocrate qui c'est député tête Dieu lui-même il était malade il pas là donc il vient faire que ou t'es supposé gagner 24 démocrates donc c'est comme ça vote là passé là au niveau du comité là et dernière étape là yo pral voter la semaine là sous floor là côté que yo pral simplement voter et il y a besoin d'une simple majorité. Il y a besoin d'une simple majorité pour justement faire geste là. Et ce moment tant attendu par un pile monde, côté que, quel que soit Jean Vlil, quel que soit Jean Fini, la prêté est un moment important dans l'histoire du pays. Puisque c'est la 3e fois dans toute l'histoire du pays que la Chambre des députés pral renverser, mettre à terre, et bien, président du pays. Ok, donc on nous dit que jeudi a c'était un gros jour. Un gros jour parce que c'est un jour côté que yo eh bien voté sous article impeachment là. Maintenant, ça qui passé côté bagay yo yé. Qui ça pral fait? Maintenant on dit que c'est après un long débat à propos de deux articles yo, justement. C'est après un long débat autour de article yo que yo t'est arrivé dans sens ça et maintenant on nous parler de qui ça gagné dans article yo. Premier article là li accusé premier article là li accusé Trump de abus qu'il fait dans poste de présidence là du fait que il était pressuré Ukraine pour te investiguer rival justement qui c'est Joe Biden lorsque nous tout connaît nouvelle la parler déjà il était kembe comme aide pour Ukraine pour te kembe kidnappé comme aide pour te Ukraine. Deuxième article là il accusé Donald Trump tout simplement de faire que monsieur fait obstruction à investigation. Ça veut dire que Jean tout le monde a constaté il y a un ensemble de témoins qui étaient supposés venir au niveau de la présidence. Donald Trump dit qu'il va y aller, qu'on va y voir son pina. Donald Trump utilise ça, le privilège de l'exécutif pour dire que ça ne va pas faire déposition. Donc, c'est ça, il y a une obstruction dans le cadre de l'investigation, puisque il a cherché à bloquer le processus là, lorsque il a empêché plusieurs témoins pour venir témoigner. Donc, prochaine étape là, j'en ai dit où, c'est que deux articles impeachment ça yo, yo pral aller sous floor là. OK, côté que y a gagné pour voter
on simple majorité depuis yo fin voter pour lui-même, eh bien nous pral gagner troisième président de l'histoire qui pral justement impeach tomber. Maintenant et après il y a plusieurs questions qu'a poser pour après. Normalement nous pral gagner l'ensemble Sénat. Qui j'en pral fait l'ensemble Sénat? Débat a fait dans moment là. Est-ce que y a fait même structure là yon long trial même j'en ou elle saute fait presque un mois au niveau de chambre des députés? Est-ce que Sénat pral prend format ça ou bien est-ce que Sénat a opté justement pour font ti bagay bien coûte ou finir avec ça? Pile débat et chaque monde au niveau des républicains well de manière différente. Mais faut dou que ou pral gagner John Roberts, c'est lui même qui pral présider et process ça. Je ne jodi a grand pile monde k'ap di Maconnel pour capable justement retirer col dans bagage ça. Grand pile monde k'ap di justement Maconnel pour retirer col parce que li gon position trop partisane pour pas ka même mettre pied dans procès compte tenu de position partisan que le gagne. Pour en pile républicain au niveau de chambre des députés, yo ta souhaité que yo fè un long trial. Pour Maison Blanche tout, yo ta vle que pou fè un long bagay vini avec l'autre témoin. Donald Trump parle jodi a, li même li dit ta ramen pour ouais figure whistleblower là. Li même li ta ramen que nan procès k'ap fait justement pour Sénat pour que sénateur yo ta rele whistleblower là vinn fè déposition. Pa oublier que nan moment parle avant la personne moun de manière officielle pour reconnaître un visage premier individu ça qui t'est choisi mettez toute cacachat là dehors yo pas connait identité de manière officielle. Donald Trump qui t'a parlé jodi a li même oui il dit le temps mais on l'en procès il t'a même que pour yo relé devant pas devant le chambre du Sénat pour t'a même fait sopina même et bien nèg ça qui pour Donald Trump il considéré comme un traître qui t'est venu mettez premier bagage ça dehors. Et il y a des gens qui ont même parlé pour même convoqué chief qui est cap menel au niveau de l'Assemblée des députés pour relé tout venir faire déposition. Mais par contre, il y a un bon sénateur qui dit attention, bagage ça va mener nous loin. Si nous restons là-dedans, la blesser nous tout. Mais des sénateurs qui ont que non pile sénateur yo dit, li paraît clair pour nous connaît que ça Donald Trump fait à son bagage qui est illégal. Population connaît son bagage qui est illégal. Si nous même n'al faire durer, nous chita n'a pas de fond parler pour n'al faire défense. N'a bien pour nous payer ça dans l'élection qui vient là. C'est ça qui fait que un bon sénateur républicain qui dit que yo même yo pas dans logique pour ta faire pile temps avec bagay ça. C'est après c'est pressé ça n'a faire pour finir avec elle. Parce que c'est son bagay qui fait nous l'aide tout. Donc comprendre bien aspect là. Et trop ouais que procès ça a montré figure la clé. Il t'a même que pour t'a fait long relé monde pour t'a tenter laver tout parce qu'il prend dans élection, il prend dans élection tout sale. Pas oublier que mercredi là suivant toute vraisemblance pour voter là au fin impeach ou pas le président impeach qui prend dans élection 2020. Monsieur t'a voulu faire opération lavage au niveau du Sénat. Et pas oublier tout gagne en pile sénateur même dit disposé pour mettre trompe à tête ou s'il a fait votre secret. Il dit si on vote jeudi depuis on il paraît yo voter pour faire votre la secret ou même y a mettre monsieur doit à tête. C'est pour un pile sénateur républicain, Donald Trump, il plus son problème. Quelles sont solutions par rapport avec ensemble de bagarre? Tant en temps, il a pas de problème. Tant en temps, il vient peut-être un avocat qui défend ce débat qui pas même défendable. Côté que monsieur toujours météo dans des positions difficiles en tant que président, en tant que chef parti. En tout cas, je vous mets à parler, il dit lui-même, il est prêt pour faire un bagarre impartial. Sans force côté. Schumer qui c'est président minorité dans le Sénat, on dit président démocrate. Il dit lui-même, il voulait que pour faire un bagage impartial pour tout le monde venir, pour le considérer, pour pas gagner esprit partisan, si effectivement, les gars méritent pour la tête, qu'ils mettent la tête. Nous comprenons que ça Schumer a fait là, il commence à attaquer les républicains. Parce qu'en pile, le monde a dit que les républicains ne voulaient pas voulaient voter pour. Il là, Schumer a parlé là. Parce que son jugement lié, son président est accusé, ou même ses sénateurs, ils votent, ils ne votent pas comme sous-sous, ils votent pour faire un travail, pour défendre la constitution. Hein? C'est pour ça qu'ils votent.
Et je me commence à mettre des nègres dans ces petits souliers. C'est pour un petit sénateur là. C'est pour une question de bagaille partisan qui a venu régler là. Si effectivement nègre a mérité pour mettre la terre, il a mettre la terre. S'il mérite pour le qu'il n'a pas kembe. Et c'est ça que Choumer a demandé pour faire. C'est ça que Choumer a demandé dans ce moment là pour que nègre animé un esprit d'impartialité. En tout cas, Trump lui-même commence à parler pour dire ça nèg a fait là, il pense que impeachment dans son bagage jouette. Lors dit impeachment, faut que dans ta bureau, je nèg a jeté là là, il pas supposé faire li. Bon, on nous connaît. Ben en tout cas, nous pensons que en ce qui a trait à démocratie, carotte là presque cuite là, pas grand rien encore là. Mais nous dou toutes yeux là, toutes yeux fixés sur le Sénat là. Et déjà démocrate a dit Maconel récusé tête li nan procès récusé tête li yo dit en parlant de leader républicain yo dit récusé tête li yo a demandé monsieur pour le retirer col tenez bien pour le récusé tête li nan procès parce que pour eux même monsieur gon esprit monsieur gon esprit partisan donc voilà mes amis nous prenons le temps. Et ça qu'on le fait au niveau. On dit d'abord nous prenons le temps. Nous déjà ça qu'on le fait au niveau chambre des députés. Hein. C'est qu'on fait vraisemblablement aujourd'hui c'est mercredi. Et Jean démocrate te promet lui avant Christmas il a fini avec dossier. Hein. Et donc mais faut nous de manière officielle. De manière officielle. Ça dit bien de manière officielle tout le monde connaît ou pas voter mais un bon démocrate qui poko 10 position. OK, yo pas veut montrer le trop partisan, yo poko dit qui position par rapport à impeachment là. Parce que yo dit c'est les votes là arrivé, c'est joua, nous connaît politique bien entendu. OK? Et yo dit c'est les ba l'arrivé, yo va le considérer ba ça yo. Et mais tout le monde connaît en ba la va passer. Donald Trump vraisemblablement a tombé même dans le moment où je parle à vous, petit sondage qui fait, parce qu'il faut parler clair avec vous. Dans le moment où je parle à vous, de manière officielle, il y a un ensemble de démocrates qui peuvent dire clairement, ils ne pas dire qu'ils ont voté contre, mais qui peuvent dire clairement qu'ils ont voté pour mettre de Donald Trump à terre. OK? Pour le moment présent. Donc, qui crée un petit suspense? Qui crée un suspense pour joie. Ok, il crée un suspense pour joie. Puisque officiellement, ça parle dans la presse. Il y a beaucoup dit exactement que il a voté pour mettre deux Donald Trump à terre. Donc c'est comme ça qu'on s'est aille. Donc, nous autres, nous-mêmes, nous suivons à la minute toute dernière information. De causer ça et nous promettre pour nous porter pour. Donc si ma barre en termes de chiffres du côté des démocrates, il y a 147 qui entend parler dans les médias qui dit eux-mêmes il a voté pour mettre Donald Trump à terre, il y a 141 qui undecided, unclear, qui pas de réponse. C'est comme ça causé ça, OK? Donc Napton justement jour à bon bord. Une dernière nouvelle. C'était un plaisir pour nous avoir. Pas oublier pour toujours être connecté avec nous. Pèsez le bouton subscribe avec cloche là pour capable joindre l'information que nous apportons pour vous.